La journée météorologique mondiale est célébrée cette semaine. À cette occasion, l'Organisation météorologique mondiale lance une campagne intitulée Les Weather Kids, la météo des enfants. L'idée est de permettre à des enfants de prendre la place des présentateurs habituels du bulletin météo, le temps d'un flash météo de sensibilisation au réchauffement climatique. Cette campagne est diffusée dans plus de 80 pays, dont le Maroc. Notre Chanel Houla y adhère en collaboration avec la Direction Générale de la Météorologie Nationale et le PNUD. Et vous allez le voir tout de suite, une jeune Marocaine appelée Isra Sherouif a investi nos plateaux et s'est mise dans la peau de nos présentatrices météo. Une manière d'être en première ligne de l'action climatique. Isra nous alerte sur la hausse des températures. Regardez ou plutôt écoutez-la bien. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour un bulletin météo très spécial. Je suis Isra, votre présentatrice météo d'aujourd'hui. Du nord au sud et du sud au nord, côté climat, rien ne va. Imaginez-vous ma situation là quand je serai grande? Sécheresse, canicule, feu de forêt. Je continue? Ça fait peur, n'est-ce pas? En plus, tout cela va nous coûter très cher. En 2050, le réchauffement climatique va nous coûter plus de 600 000 milliards de dollars. En fait, tout cela est dû à la pollution qui réchauffe l'atmosphère. L'effet de serre, on s'en passerait bien. Il existe déjà des solutions d'énergie propre. Vous saviez-vous que l'énergie solaire coûte moins cher que l'essence? Mesdames et messieurs, l'inaction a un coût. Pour vous, ce n'est peut-être qu'un flash météo. Il s'agit de notre avenir.